Bonsoir à tous, nous sommes bien le 7 septembre 2017, il est 18h pile, c'est parti pour 01 Live Hebdo, nous sommes ravis de vous retrouver. Salut François, salut à tous, c'est la rentrée et on ne change pas les bonnes habitudes. Chaque jeudi soir, c'est 01 Live sur 01 net TV. Voilà, on est très heureux de vous retrouver pour cette rentrée qui s'annonce évidemment très croustillante mmh. en matière de high-tech. On va parler de téléviseurs, de smartphones ultra-puissants, d'intelligence artificielle. C'était en tout cas euh, le programme de l'IFA, le Salon de Berlin, qui vient de s'achever. Alors on débrief l'IFA dans 01 Live avec notamment notre grand spécialiste, Pepe Garcia. Il est là. Voilà, regardez, mais, il mais, faisait beau Mais bonjour, comment ça va les garçons Ça va bah, Je suis en pleine forme, ouais. je suis rentré, j'étais frais. Ah, voilà. On ne s'emballe pas, Pépé, on se retrouve tout à l'heure. Nouvel iPhone les amis, J-4 pour le nouvel iPhone. La keynote Apple c'est mardi soir prochain. Ce sera à suivre bien sûr sur 0.1 TV, mais on va en avoir l'occasion d'en reparler. À quoi vont ressembler ces nouveaux iPhones Parce que visiblement, il y en aurait plusieurs. On va en parler dans un instant avec Jean-Sébastien Zanki. Et justement, Apple, là-bas en Californie, vous le savez très certainement, aura bientôt un nouveau siège social, un bâtiment incroyable, une espèce de soucoupe volante géante. Euh, Noémie Lefebvre-Marek viendra tout nous dire dans la chronique Zouactu. Et puis nous irons du côté du labo. Tout à l'heure, on va parler photo avec du lourd, le nouveau Nikon, le D850. Adrien Branco, qui est quand même notre spécialiste photo, viendra nous en parler. Et vous découvrirez également, euh, toujours dans la partie labo, un accessoire qui permet de sauvegarder son iPhone, euh, qui est assez différent de ce qu'on connaît actuellement. C'est François Bedin qui viendra nous faire la petite démo. Voilà, alors la jolie Brune, ce n'était pas François Bedin. Hein, vous l'avez remarqué, ça ouais. n'a strictement rien mais à voir. Sympa, François, mais ce serait bien qu'elle vienne, dame, aussi. Oui, pourquoi pas, nous mm -hmm. parler de stockage un de ces jours. Et puis, euh, si vous êtes gentil, je vous montrerai aussi un petit casque audio qui est très joli, qui ne sert à rien, mais qui est pas mal. <rire> voilà, <laughs> voilà c'est 01 live. Merci d'être là. C'est parti. En tout cas, merci de nous suivre si vous êtes sur YouTube en direct actuellement ou bien sur 01nettv.com. Vous pouvez réagir comme d'habitude, poster vos commentaires sur Twitter, hashtag 01live, et on vous répondra bien entendu en direct. Voilà, n'hésitez pas, et euh, bien sûr, euh... Via la page YouTube aussi, hein, puisque le direct permet les commentaires, vous pouvez nous laisser vos petits messages. Tout de suite, notre question, zéro net Orange, de ce jeudi soir, Jérôme. La question d'actu. On vous demande votre avis sur ce sujet eh bien, hautement sensible. L'iPhone des 10 ans qui devrait bientôt arriver. Comment pensez-vous qu'il s'appellera Vous savez qu'il y a une petite, euh, pas polémique encore, mais en tout cas, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements par rapport au nom de cet iPhone. Est-ce que ce sera l'iPhone 8, l'iPhone X, l'iPhone édition, l'iPhone Pro, euh, l'iPhone euh, édition spéciale François Sorel On ne sait pas encore. <laughs> enfin si Tim Cook pourrait répondre à cette, euh, pouvait répondre à ce petit, euh, ce, ce petit sondage, ce serait sondage. pas mal parce qu'on aurait la bonne réponse. En fait. Oui. Voilà. Mais enfin, ça, bah non, mais ça casserait le jeu, François. Oui, c'est certain. Oui, donc allez-y. à votre avis, comment ça va s'appeler ce nouvel iPhone Dites-le nous. C'est la question 01net Orange. Bonjour Pépé Garcia. Bah, voilà, oui. Ah, ah, voilà. Bonjour Là, les garçons, maintenant, comment ça va Pepe <laughs> Garcia qui était avec nous donc à Berlin. Ouais, ah, vas, hein je suis même celui qui est parti plus tard de Berlin, qui est est restait sur place, ouais. rangé les cartons. J'ai fait la fermeture moi c'est comme dans les bars. Ouais. Oh, il, falle, il, sait, il vérifie il éteint la lumière et je Il vole fait il y a et plus personne, personne à et je les vole, gars. Et ah, euh, je vole du cool. matos en même temps donc ça qui est bien voilà ce grand salon que vous avez pu suivre sur 0 à tv hein, avec euh, le 0 live de la semaine dernière qui était euh, réalisé en direct depuis là bas voilà un grand salon qui euh, bon, alors on va peut-être rentrer dans le dans le vif du sujet tout de suite voilà, qui trouve que c'est un grand salon, qui trouve lave la main. Ça voilà, voilà, ne reste pas, on va dire, dans les annales. Hein, on, va, on risque vite de l'oublier, non Cette édition 2007 ça, Comme je dis, ça, ça, ça ronronne. C'est-à-dire, c'est pas ronronne. un salon où il ne s'est pas, pas passé des trucs méchants, ni mauvais, ni quoi mmh. que ce soit. Mais c'était. Euh, voilà, il n'y a pas eu de grande surprise, il n'y a pas eu de grand moment où on s'est dit, moi j'ai quand même l'impression que toute l'année il y a du matos qui sort et que maintenant les, a, les ah, fabricants oui. n'attendent plus spécialement l'IFA de Berlin. ça, Peut-être le CES parce que c'est une vitrine mondiale, donc en effet les ingénieurs de la RD commencent à dire, oh ouais, le CES ça va pouvoir être White mm. euh, dans, dans le monde entier. Tandis que là, bon l'IFA, c'est soit une redite, soit une, redite, soit oui, une les, redite. Les grandes marques font leurs événements Faut avant, leurs événements, enfin. Ou après, avant, et oui. c'était même les mêmes stands que l'année dernière pour la plupart avec les mêmes Mais matos. Bon, Mais il y a plein de trucs quand ça même. Ça permet quand même de sentir la tendance. Tout à fait. Alors la tendance comme toujours, ça commence, si commence par les télé. la tendance c'est une norme de plus pour le HDR, ça c'est drôle, moi ça me fait rire à chaque fois, c'est-à-dire qu'on balance des téléviseurs, il y en a partout, c'est le fruit de saison, ça tombe des arbres, il y a de l'OLED, <laughs> de grande taille, des trucs à pas cher, 15 000, 20 000 euros, et oui. en plus bah, on balance dessus des normes différentes, ça fait qu'on peut prendre un téléviseur à 20 000 euros et pas en plus avoir toutes les normes dessus, donc c'est quand même, là on, est, est, dans, est, là, on est dans le pompon de la pomponnette, on est quand même dans le truc absolument gigantesque, là, le, le HDR10+, qui se pointe, alors le 10 ce n'est compatible qu'avec les matériaux Samsung, Panasonic, et c'est la Fox, l'éditeur euh, voilà, de la Fox, qui lui a le 10+, Plus. Le donc, si vous avez une télévision, là, vous pourrez voir des films Fox avec le 10+, Sinon, tout le reste, c'est du HDR. Sinon, vous avez Dolby Vision sur certains, mais ça coûte cher oh là parce qu'il faut là payer, là de la, les, payer la licence, ça coûte une blinde, machin. Netflix rentre dans le Vision mais pas partout, on ne sait pas quel pays. Bon, bref, comme vous voyez, c'est la grande nébuleuse internationale à la Star Trek. Donc, euh, le truc, c'est que j'ai vu des téléviseurs sympas. Il y avait des trucs de vraiment très bien. Mais c'est peut... censé apporter quoi ce 10 Alors, la même chose que les autres nom différent, c'est à dire que euh, ah, voilà. non, non mais c'est le hdr c'est pour booster euh, les, le, le contraste entre les zones claires et les zones sombres bien sûr le dolby vision est plus sympathique puisque c'est le plus perfectionné ceux qui agissent scène par scène plan par mmh. plan image par image c'est pour ça qu'elle est royalties dessus qui sont très élevés euh, voilà donc c est, c est, voilà le truc c'est que là on se retrouve devant un parterre de téléviseurs je peux dire un truc c'est que les dalles lcd enfin euh, on trouve des téléviseurs lcd absolument formidables à des prix maintenant qui sont à 600 700 euros ce qu'on trouvait pas avant vraiment ça ça se démocratise à fond et dans l'oled on n'a rien en, tout de, en dessous de 2900 90 euros en 55 pouces ouais. et le plus cher étant les modèles sony et panasonic qui valent 20 000 euros en 77 pouces et qui sont des modèles carrément professionnels thx agréé et tout voilà alors petite question oui. qui arrive sur youtube là on est oui. vraiment freestyle hein. il y a Abdelkader qui nous demande s'il y avait si tu as vu des casques bluetooth 5.0 alors justement je tenais à, à présenter toutes mes confuses à cette antenne c'est qu'au début le bluetooth 5.0 a été annoncé comme étant pour l'audio je fais un blanc exprès pour l'audio. Et après, on a appris que c'était le 5.0 pour tous les objets connectés, donc IoT. Ah, ça, donc ça euh, donc pour voir. le moment, l'audio n'est pas concerné. Tu n'apporterais rien en fait. Ah si ah si, ça, ah, ça pourrait apporter quelque chose, mais dans, dans le cas pour le moment, on ne se, on se ne bouge pas autour de, de l'audio en 5.0, ce qui aurait été pourtant bien parce qu'on aurait pu avoir du, euh, donc de la qualité CD en haut débit par le Bluetooth. Pour le moment, ce n'est pas dans les, dans, les, dans les cordes. Maintenant, on pense aux drones, on pense aux objets connectés, aux et autres, avec le Bluetooth 5.0. Désolé jeune homme, euh, toutes mes confuses. Bon, <laughs> bon alors voilà pour dit... les télés. Oui. Quoi d'autre Qu'est-ce que tu as vu de ce Ah oui, les lasers. Les lasers, projecteurs, les, les téléviseurs, les rétroprojecteurs, vidéoprojecteurs ah oui. proches du mur. Ah ouais, ça, alors ça, ça c'est le fruit de mon... saison. Ah Il oui. y en a partout. Ça fait des années que ça existe partout, mais là, visiblement, on le découvre mais maintenant. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Mais je hein. comprends que tu adores. Alors, ça se met près du mur, ça se met Donc entre. Donc de télé. Euh, c'est ce qu'on appelle une laser TV. Alors il y a des noms différents. Pourquoi laser Parce que la source d'illumination n'est pas une lampe, c'est un laser. Et on approche le, le boîtier de, du mur à environ 19 à 40 cm suivant les modèles. Mmh. Il faut un écran en particulier mat pour pouvoir une vision, une vision en semi-pénombre. Un mur blanc. Un mur blanc, mais l'écran mat vendu avec est assez particulier parce que même en, quand on. Quand il y a de la lumière dans la pièce, il permet de dégager une image un peu plus correcte, le, l'écran le, le, mat. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'Epson qui s'appelle EHLS 1000, enfin 100 exactement. Une ultra courte, photocall ultra courte, on a fait d'ailleurs quelque chose sur à propos de ce produit, euh, qui est Full HD uniquement, ça m'embête un petit peu pour des produits qui sont Pas futuristes. 4K. Bah oui, On lance des produits qui sont futuristes directement ils sont Full HD euh, cherchez chercher l'erreur. Ouais. Euh, donc c'est du LCD avec du laser plus du LED, une amplification à l'intérieur audio, puisque l'idée c'est d'avoir un bloc qui fait tout, hein, qu à, à l'audio et autres. Ce produit existe bon, également, oui. Par contre, côté design, euh, on bon. s'en fout, c'est une boîte compose devant ouais, l'écran. On incruste on, on inc hein. directement le produit dans le meuble. C'est-à-dire qu'on vient il nous montre voilà, là, mais c'est incrusté dans le meuble. C'est-à-dire qu'il est dans qu le meuble en dessous, on n'en parle plus. Il euh, y a iSense qui en fait il euh, y a très très longtemps, il y a LG qui en fait également. Ça existe depuis des années en secteur mmh. pro. Mais là, ça arrive en grand public et ça commence à faire son buzz. C'est cher, de 3 000, 6 000, 10 000, 15 000 euros. C'est du bonheur dans la maison, mais mmh. c'est le fruit de saison. Donc on appelle ça laser TV ou projection TV ou vidéo projection on wall, n'importe quoi. Et c'est pratique. Et donc on peut avoir la taille qu'on veut en fait. On l'approche, voilà. ça réduit et on, on le recule. Voilà. Ça 70 à 130 pouces. Donc quand mmh. ils vendent des écrans, c'est des écrans à taille fixe exprès. Genre on vend un écran à 100 pouces vraiment, mais mmh. mat, qui va directement encadrer le mur. C'est beaucoup plus simple, et ça permet de délimiter l'image. Il ne faut pas que ça flotte dans l'espace comme ça. Un je suis d'accord avec Jérôme, c'est vraiment un truc qui donne envie. Parce ah que, complètement. Euh, voilà, on s'affranchit de tous les problèmes en fait de la vidéoprojection, c'est ce que tu disais. C'est on le et pose plus au plafond tôt. et même pour pour, pour les pour, pour les femmes qui, qui aiment pas avoir chez, chez elles parce que leur mari leur impose des trucs posé au plafond, on dit on te mmh. met ça dans ton meuble devant et as une belle image. Et moi je trouve ça génial. C'est user friendly. Ah user friendly à mort. Un petit un petit euh, smartphone maintenant le LG. Alors, euh, le LG, alors justement, c'est le fruit de saison, on en le a V30. parlé. Le V30. Alors, c'est un produit qu'on attend avec impatience si' est à 0.1. C'est un peu la vedette que, de l'IFA. C'est Pas beaucoup de smartphones, il faut dire. Je ne sais pas, c'est la vedette. Alors, moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai manipulé un petit peu et surtout, je l'ai écouté. C'est pour le moment inédit au, au niveau de, de l'audio. C'est-à-dire qu'en vidéo, je n'ai pas pu le tester, mais en audio, c'est inédit ce qu'il propose. Euh, avec, avec justement un quad de DAC à l'intérieur, un, vraiment un traitement, vidéo parti, un traitement audio particulier. C'est un baladeur. C'est un vrai baladeur haut de gamme mm. avec un réglage de gain et autres. Donc, on restera à fond euh, ici à 01 mais c'est vraiment le produit star de, 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 de l'IFA ça n'a pas été le Note 8 malgré tout parce que bon. le Note 8 était un peu une redite avec le stylet du S8 oui. et là le, le V30 alors mon problème et je l'exprime ici c'est comment arriver à vendre un produit comme ça en France sachant que le V10 et le V20 n'ont jamais existé on balance un vin qui tombe de je ne sais pas où Exactement. alors qu'il y a eu avant en Europe de l'Est ils avaient le V10 on et sait, V20, pas sort, le V20 toute l'Asie connaît le V. Et nous on se pointe avec un produit ouais. haut de gamme qui ne veut absolument rien dire pour le public. Bon après mais euh, le produit est... <laughs> Oh là là, pour les youtubeurs à la base, hein, je veux dire, ils veulent essayer de oui, le... très accès vidéo, etc. Ils veulent ah le filo youtubeur pour que les youtubeurs fassent la promotion du produit. Ce qui est pas bête, c'est un vraiment une unité de montage ultra HD qu'on peut avoir dans la main et tout. Est et donc est ça c'est Bluetooth 5.0 comme le Samsung. Oui, Galaxy, pour l'IoT, pour l'IoT. Ouais. Donc ça c'est LG. Yes. Et puis il y avait Sony. Alors Sony, alors on l'a là parce que oh là là, là l'a là, on l'a là, on l'a là là oh là là. On peut le montrer parce que c'est aussi une petite star. Je sais pas ce que en penses, Jérôme, François. À la caméra. Oh là là. Il est là, c'est qu'à le dire le... Sony XZ1, c'est un, un smartphone avec un design un peu particulier, vous voyez l'écran de, de 5,2 pouces est entouré d'une... Voilà, on ne peut pas dire qu'on a l'impression que ça soit super fin. Alors il a des particularités, la section vidéo et photo, 19 euh, mégapixels, et surtout la possibilité de faire une capture de votre visage euh, directement en 3D pour faire un avatar, ça vous passe mmh, comme, ça, comme ça, et vous avez votre visage scanné. Ce n'est pas nouveau encore, mmh. c'est directement intégré, et après on peut utiliser l'avatar pour n'importe quoi, pour mmh. Facebook, pour, pour tout ça, il est IP68. Il peut également filmer en 360 images par seconde, faire des super ralentis que vous n'avez jamais vu, le faire tomber dans l'eau et tout, c'est merveilleux. Audio, ires, aussi, c'est de l'audio, haute définition, euh, audio, il fait bah, tout. Chez Sony, c'est un peu normal. Voilà, écran Full HD, c'est si même pas bonne c'est 500 euros, je crois, ou peut-être plus. Mais, mais tu sais 600. 600. Ouais, mais, mais, non, je mais je trouve qu'en qu termes de design... Il, il... Ça fait vraiment C'est ce que je disais, c'est ouais. que là, on a l'impression que l'écran, l'écran qui, ou... qui mais fait cinq non, c'est tendance, c'est old school. Old school. Cool, même, on a l'impression, bon, il est, il est très beau sur la tranche, il est très arrondi, mais alors cette partie-là, cette ah, partie-là, alors que maintenant, on essaye de faire quelque chose que tu ne vois même plus les ouais. bords. C'est tellement 2010. Mais c'est tellement le truc. <laughs> ah, mais non, mais il y a un truc. 2016. Il... Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Sony est un super créateur. Chaque fois qu'il sort un Bien smartphone, il se fait doubler par tout le monde, soit parce qu'il a ci, soit parce qu'il a ça. Et vous mettez à côté des produits comme, je le V30, et vous me mais c'est quoi ça? Et c'est là où il y a un problème. Et pourtant, j'adore ces produits. -là. Technologiquement, je trouve ça sublime. Ouais, donc euh, euh, voilà bon je sais pas si ça suffira à, à, à Sony de se relever euh, de avec ça je pense pas mais il voilà. y a des idées on ça passe à l'écran il y a des idées de tous les côtés mais c'est pas ça qui fait vendre c'est un produit qui paraît qui paraît daté quand on le voit un dernier petit truc Pépé pour la route tu as euh, autre chose ou pas euh, je sais pas euh, bon je sais pas un café l'addition mais je sais pas si y, a <laughs> y a quelque chose moi je peux vous dire ce que vous, tout ce que vous voulez il y en a il y, y en a, a pas plein poster mais poster, le poster TV c'est bien quand même ça ah. franchement là encore enfin euh, avec ah, Jérôme on était d'accord sur le le vraiment le vidéoprojecteur qui est collé pratiquement au ouais. mur mais ça, le poster TV, c'est bien. Alors ça s'appelle World TV, ça s'appelle euh, No Cable, Screen, tout ce que vous voulez. C'est l'idée d'avoir... Vous savez que le, le, la particularité de l'OLED, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Mm. Donc une dalle OLED, c'est une dalle. C'est presque une feuille de papier de 2 mm, donc vous la oui, plaquer sur un parce mur. Que la lumière est créée par les petits pixels. Voilà, c'est l'auto-émitif. Donc ce qui se passe une fois que la dalle est posée, il faut un cordon ombilical relié à une électronique qui peut mettre à 5 mètres. Et l'électronique, dans ce cas-là, on a un poster TV, l'électronique à côté de vous, euh, n'importe où dans la pièce. Et ça c'est Toshiba. Toshiba, grand retour de Toshiba, on mm. pas d'où viennent avec Vestel et les Turcs, ils arrivent, ils viennent avec une poster TV qui existait déjà chez LG, il y en, a, il y en avait. C'est la même chose, c'est de LED euh, LED aussi C'est que de l'aide sauf chez Hisense qui a réussi à faire une poster TV LCD avec rétroéclairage à 5,9 mm. Alors eux, ils ont dû creuser un trou dans le mur, je vois que ça, je veux dire, moi j'étais en train de taper dessus, pour savoir si ça se pétait, ils m'ont regardé comme ça avec des grands yeux du genre qui c'est le Spoons. Le Spoons, il est de savoir si vous foutiez notre gueule ou pas. Et en effet, ils ont réussi 5,9 mm. Donc je pense c'est une tendance de l'avenir d'avoir comme ça la télé, le téléviseur sur le mur électronique après à, à part ouais, ouais. <laughs> moi j'ai beaucoup aimé mais je sais pas si on a les images donc euh, on va pas ces temps c'est le, le pareil le, le côté j'accroche au mur mais là on joue pas la finesse c'est le frame de samsung ah, oui. c'est à dire euh, le téléviseur c'est pas où il est qui, dans lorsqu'il est en veille quand, quand il est éteint il affiche des tableaux voilà. et euh, c'est magnifique avec euh... un réalisme avec une, ah, qualité. Bah, une image fixe il hein, n'y a, y a ah, pas ouais. de mouvement en vidéo ça c'est très bien, mat euh... c'est très c'est vraiment ah, c'est sublime hein ouais, c est, c est merci super. Pépé bah, je vous en prie c'était un plaisir c'était un plaisir de te recevoir comme d'habitude. Pépé, tu seras là d'ailleurs pour De quoi je me mêle demain avec une nouvelle Alors. version De quoi je me mêle. Vous allez voir, on va un ici peu dépoussiérer le club de la présidence. <laughs> merci. Il enfin, y a la moquette, hein, cela dit. T'es bien tombé. Ça, merci, quoi, là, merci bien. beaucoup. <laughs> Préparez-lui son sac de couchage. Voilà pour le résumé de cette IFA. Et euh, peut-être avant de retrouver les rumeurs de l'iPhone, on va faire un petit point sur la question 0Net Orange, Jérôme. Mais oui, euh, qu'est-ce que ça donne, la question 0Net Orange euh, À votre avis, comment va s'appeler le nouvel iPhone Enfin, en tout cas, l'iPhone des 10 ans Ce sera, selon vous, l'iPhone édition ah, oui. bon voilà d'accord bah en tout cas c'est ce que majoritairement ce que mur, hein. ou bien mais également iPhone X iPhone 8 et iPhone Pro ok bah écoutez on verra qui a raison hein. réponse mardi soir n'hésitez pas vous pouvez continuer à voter sur www0 nettvcom 18 18h15 merci de nous suivre à la fois sur zéronettv.com nettvcom et sur YouTube sur le live YouTube euh, donc de cette émission et tout de suite on enchaîne avec les rumeurs de l'iPhone Jean-Sébastien zanqui, est là bonsoir à tous bonsoir Jean-Sébastien donc ce sera mardi, qui mérite à y les amis mmh. C'est dans 5 jours, ça fait 6 mois qu'on en parle, si c'est pas plus. Et c'est dans ah 5 non. jours seulement, ça y est, donc euh, ça arrive, les dernières rumeurs euh, sont là. Alors, a... Avant bon. de parler des rumeurs, ouais. juste une chose, oui. vous savez qu'on va mettre les petits plats dans les grands mardi soir sur 01nettv.com. Déjà, à 18h45, on sera en direct avec vous sur 01nettv.com et sur YouTube, et même sur Facebook Live, pour vivre cette grande soirée. Cette keynote sera à vivre en direct, en l'intégralité, Jérôme. Comme d'habitude, on regarde la keynote tous ensemble, on commente, on explique, on, on s'amuse, on mange des chips et on donne toutes les infos surtout. Et en plus, vous savez quoi, on va vous offrir un cadeau. Et pas n'importe quel cadeau, écoutez bien. Mardi soir, ouais. on vous offre le nouvel iPhone. C'est-à-dire que, vous en vous regardant... Eh bien, vous pourrez, vous pourrez participer à un concours pour remporter le nouvel Aifada. On ne sait pas encore comment il s'appelle, mais il y en aura un pour vous, les amis. Voilà, <laughs> ça, ça va être cool. C'est énorme. Voilà énorme. donc à gagner mardi soir. Rendez-vous 18h45 sur 0 net TV. On compte sur vous. Ça c'est dit. Alors, les rumeurs, euh, on va peut-être pas tout, refaire tout le non, film. Justement. Il y a une vidéo, hein, euh, une, as une, excellent vidéo, vidéo. <laughs> une excellente vidéo faite par mon confrère ici présent qui, <laughs> présent qui recense toutes les rumeurs. Mais grosso modo, alors les trois, les trois points clés peut-être, Jean-Sébastien. Oui, euh, qu ce qu'on qu qu sait à peu près, ce qui est à peu près sûr, on a l'impression de ouais. le connaître parfaitement. Il euh, y a même des gens qui ont modélisé, modélisé les rumeurs dans mmh. des impressions 3D pour voir qu'est-ce que ça rendait. Donc on voit très bien ce que, ce que ça va être. Ça va être un téléphone donc, avec un écran qui est sur de bord à bord. Euh, Certainement la disparition du bouton euh, d'accueil, donc euh, plus, de, mmh. plus de, de touch ID, donc une reconnaissance faciale, Facial. euh, toujours ce double capteur qui sera certainement amélioré, celui qui existe sur l'iPhone 7 Plus. Euh, voilà, avec évidemment à l'intérieur tout ce qu'il y a, comme euh, dans chaque génération de la recherche iPhone, sans fil. Euh, la recherche sans fil qui serait une nouveauté, mmh. euh, nouveau processeur évidemment, euh, euh, la possibilité euh, d'avoir dans iOS 11 euh, ces, euh, ces applications de, de réalité augmentée qui arrivent aussi, qui sont assez ouais. prometteuses. Ce sera sans doute un très gros morceau de la voilà, c'est hein. toutes les choses qu'on qu connaît de, de l'iPhone du nouvel iPhone et qu'on qu attend avec impatience maintenant les toutes dernières rumeurs en date euh, ça va être au niveau du prix euh, de la dispo et du nom en fait c'est voilà ces trois points sur lesquels on n'a ouais. pas eu encore beaucoup d'infos euh, sur le prix déjà on peut il euh, eu quelques, quelques rumeurs notamment d'un utilisateur de twitter qui a fait beaucoup de, beaucoup de, de relais de, de rumeurs et qui a l'air assez fiable malgré tout qui s'appelle Benjamin Jaskins, qui lui euh, dit euh, le nouvel iPhone sera disponible en trois, trois capacités, mmh. euh, 64 Go 999 dollars, 256 Go 1099 dollars. Et 512 Go, 1199 dollars. Donc, ouais, donc on passerait la barre. Go, on serait le premier oui. iPhone à 512, ah, 512 Go. C'est pas mal. Ça serait Une un, un 512 Go. De... les amis. On ouais. vous dire que là, vous allez pouvoir. Et qui qu serait clairement au prix d'un MacBook Pro. Hein. Là, on arrive dans des euh, dans ouais, on des passes la barre de 1000 Des 1000$ dollars, donc les mille euros, ça. bien entendu. Alors, pourquoi ce prix justement On se dit, c'est pas seulement le côté exclusif de, de, de l'iPhone, c'est aussi parce que euh, Samsung ferait payer très cher l'écran OLED euh, bord à bord de de du nouvel iPhone. c'est génial. Si l'iPhone coûte cher, c'est à cause de Samsung. C'est la faute à. Ah, c'est à dire que jusqu'à présent <laughs> apple payait son écran entre 45 et 55 dollars euh, le nouvel écran oled bord à bord qu'apple qu achètera à samsung ils en ont donc commandé 70 millions hein. euh, ouais. il coûterait entre 120 et 130 dollars donc, donc euh... 70 millions ils doivent quand même avoir une petite ristourne voilà ils oui. ont certainement de petites ristournes ouais. sûrement plus que sinon on va avoir samsung et c'est un. Euh, mais donc, malgré tout ça reste cher voilà ça fait augmenter forcément le, le prix le prix de l'iPhone donc euh, voilà pour, le, pour les prix c'est clair qu'il sera cher euh, sur la date de sortie euh, là on ne sait pas encore exactement. On a Caribou qui est, qui est très drôle sur Twitter qui nous dit la vraie surprise ce serait de retirer la batterie. De toute façon l'iPhone toute la journée il est sur chargeur. C'est vrai. Bah là il y aura le, un peu méchant. C'est tout à fait vrai mais Il y aura la, à la batterie à induction. Il y aura le, le chargement ouais, à induction. On va voir si ça change quelque chose. Dans le le retour de la prise jack point d'interrogation <laughs> C'est peu probable. Ça ça, ça m'étonnerait. Question aussi sur Twitter. Et donc du coup, sur les, il y aurait les dates de sortie également. Qu Est-ce qu'il est qu sera disponible tout de suite avec les, avec les autres modèles en même temps euh, Certains disent qu'on va devoir attendre quelques semaines parce que la production a commencé tard. Euh, Samsung n'est pas encore monté trop en charge sur, sur la production d'écran, donc ça ralentirait. Et puis d'autres qui disent oui, ça sera disponible tout de suite, mais à quantité limitée. Donc il ne faut pas compter en avoir forcément euh, euh, tout de suite dès qu'il dès, dès qu sera disponible. Euh, et puis, euh, et on va voir aussi comment on s'articule. La gamme euh, tout simplement ouais. parce que euh, les, les iPhone actuels, les 7 euh, les 7 et 7 plus, euh, ouais. existeront encore sur un en existeront ouais. encore. Euh, donc, comment on nomme le nouveau Est-ce qu'on le nomme euh, iPhone 8 ouais. Enfin, voilà les nouveaux 7, est-ce qu'on les nomme 7S Mise à jour, 7S ou, euh, ou alors est-ce qu'on passe à l'iPhone 8 comme ça, il se mue ouais. en mur, que en fait on n'aurait pas de 7S cette année, qu'on aurait directement un 8. Le 8. Et donc le nouvel iPhone le, le bord Il y a un 7S et un 8, c'est pas possible. Alors le, si on sort le 8, euh, le nouveau, ça serait euh, ça serait euh, pas un 8 puisque l'autre a déjà le nom. Donc quel sera son nom bah, Bro la édition, euh, X. La tête. On mise plutôt ouais. quand même sur ouais. une nouvelle gamme plutôt que sur... Édition une... d'Olibran, le nouvel iPhone. <laughs> ça va être ça. Ça risque d'être ouais. ça un peu. Ça Merci beaucoup, un... Jean-Sébastien. Euh, N'hésitez pas à continuer le débat hein, sur les commentaires de YouTube, parce qu'évidemment, vous êtes très nombreux à, à, à bah, nous dire un petit peu Et ce que vous, vous, vous interrogez. En pensez concernant le prix, etc. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre ce nouvel iPhone, forcément. Et ce n'est que le début, les amis. Rendez-vous donc mardi soir, 18h45 sur ZeroNet TV pour vivre cette grande keynote avec peut-être des surprises. Hein. On évoque une Apple Watch euh, qui serait 4G. On évoque aussi un Apple TV 4K et peut-être le fameux One More Thing. On verra bien. Vous restez avec nous tout de suite. C'est Noémie pour sa chronique Zoom Actu. Et puis toujours donc le hashtag zéro live et puis sur euh, YouTube vous pouvez nous laisser vos petits messages bien sûr qu'on lit avec plaisir. Bonsoir Noémie Lefebvre, Bonsoir Rêque. Jérôme Colombin. Comment Colombin. ça va <laughs> Ça va super. Chaque jeudi soir c'est la chronique Zoom Actu. On s'éloigne un petit peu des produits purs et durs et on, on va parler un petit peu de, de, de l'actu high tech mais sous un autre angle. On parlait d'Apple il y a un instant. Et oui, on va rester chez Apple. Et on reste chez Apple qui doit inaugurer, enfin ils en sont où, ils doivent investir leur nouveau siège social. Exactement, il s'agit de l'Apple Park et c'est un projet qui date maintenant de plusieurs années. En fait, c'est le dernier projet... Imaginé, conceptualisé, signé par Steve Jobs en 2011. Ça a été signé quelques mois avant son décès. C'est dire qu'il euh, est chargé d'une euh, importante oui, charge symbolique. Ça... Hein. On attend énormément, ce, cet Apple Park. Alors, euh, en fait, cet Apple Park, bah voilà, vous le voyez, c'est cet énorme anneau circulaire, un km et demi de circonférence. C'est-à-dire qu'en fait, pour euh, se balader dans les locaux, il faut prendre son temps. C'est un peu comme la maison de la radio, en fait. <laughs> oui, en légèrement plus, plus grand. grand oui, voilà. Ah, ouais. enfin, vous savez, c'est grand la maison de la radio déjà, on en fait des kilomètres. Je crois que à pied. En fait, le, le, le parc qu'il y a au milieu est immense. Quoi. Il est ouais. immense et euh, il est tellement grand en fait. C est, c est... Alors pour, pour vous dire, en fait, la, 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 la part belle a été faite en effet à la, à la nature. Il y a 9000 essences d'arbres qui vont être plantées dans, ce, dans cet Apple Park qui est ultra euh, écologique. Euh, on voit sur le toit en fait ce sont des panneaux photovoltaïques parce qu'en fait le, le bâtiment euh, est conçu pour être totalement... Suffisant en mmh. énergie, euh, les panneaux photovoltaïques qui alimentent euh, les ampoules LED basse consommation dans tout le bâtiment. Donc là ce qu'on voit en fait ce sont les euh, c'est ce, le parc central. Euh, et euh, évidemment, pour pouvoir se déplacer, les salariés, donc ils sont 12 000, ils ont à disposition des vélos, euh, 1000, un parc de 1000 vélos pour pouvoir euh, se balader dans les bureaux tellement c'est euh, gigantesque ouais. en effet. Euh, et puis alors évidemment tout va être fait, hein, c'est l'américaine pour euh, faciliter la vie des salariés pour leur rendre la vie douce et agréable. Euh, une magnifique cafétéria, 4000 places, ultra design. Où... Ça c'est bien parce que nous on connaît euh, la cafétéria de l'ancien local d'Apple, ça serait bien. Bon, c'est pas, la pas de la terrible, blague. terrible. Ouais. Eh bien, figurez-vous dans cette cafétéria, messieurs, il devrait y avoir euh, la vente de boîtes à pizza qui euh, sont conçus pour euh, conserver le, la, la pâte oui. croustillante. Vous voyez alors, ça, ça oui, va oui. jusque-là. Oui, ça, ça existe déjà. Elles fait, déjà. Quand, quand on est Ils... allé euh, déjeuner donc, à, la, à la café d'Apple, c'était ouais. euh, à l'Hyperloop, c'est ça, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, oui, le siège actuel, ouais, euh, et qui, bien, qui est le siège il avait, historique. Il y avait en fait. ces boîtes à pizza qui ont une forme très bizarre, ouais. qui ont été d'ailleurs développées par des ingénieurs de chez Apple. Ils en sont très fiers. Ils ont la croustillance de la pizza. Enfin, c'est un truc et de ben, fou. Et ben, voilà, Donc, je, je... Elles vont suivre, elles très... vont suivre. Et le ben, déménagement. Elles, vont, elles vont rester dans l'Apple Park. Euh, voilà, une énorme salle de fitness, une ouais, énorme salle top. de yoga. Et euh, ça va être etc. inauguré quand alors tout ça Alors même... ça devrait être inauguré en fait à la fin euh, de l'année euh, 2017. C'est vrai que ça a pris déjà un peu de retard. Ça fait 4 ans qu'on est dessus. 5 milliards de dollars. Je n'ai pas dit le chiffre, mais 5 milliards de dollars de travaux, c'est énorme. Donc ça devrait être inauguré à la fin de l'année 2017, mais mardi prochain, nous aurons le privilège de découvrir une partie de l'Apple Park, puisqu'on va découvrir, en fait, euh, lors de la keynote, le nouveau théâtre Steve Jobs. Et on aura la chance d'avoir un envoyé spécial là-bas, c'est Pierre Fontaine, qui, euh, à partir de 18h45, puisqu'on sera en duplex avec lui, va pouvoir peut-être nous montrer les premières images de, euh, de, ce, de ce théâtre. Alors là, euh, voilà, exactement, le, le théâtre, euh, donc là, à l'intérieur du théâtre, débauche de luxe. Euh, siège en cuir apparemment euh, chaque siège coûterait <rire> chaque, chaque <rire> siège coûterait euh, 14 000 dollars là ce qu'on voit en fait ah, c'est j'espère qu'il masse hein, pour ce prix là ah bah oui ah bah... tu t'endors d'ailleurs il, il, la, il masse il a, il a, il a, il a, siège massant chauffant euh, et en fait euh, donc en fait on pensait que ce théâtre serait à l'intérieur du parc mais là on, on vient de le voir en fait l'entrée est située es un peu sur le côté mmh. euh, l'entrée donc c'est un hall magnifique euh, avec des murs euh, uniquement en verre et le théâtre la salle se trouve en sous-sol et pour descendre dans le sous-sol, mmh. eh bien apple a conçu... Euh des ascenseurs en non en nord, des non. ascenseurs gold, gold rose rotatifs messieurs des ascenseurs rotatifs R des ascenseurs rotatifs parce qu'on va rentrer d'un côté on va ressortir pour aller dans, une, dans ouais. la direction opposée mais tout a été pensé pour qu'on ait besoin de passer par qu'une seule porte de ne rentrer par qu'une seule porte. Ah donc oui, oui, l'ascenseur faire il un bouge, ascenseur avec deux portes comme il est, ça existe aujourd'hui voilà, c'était trop eux, simple eux, ils ont voulu qu'il y ait qu'une seule porte ouais, bien voilà. sûr. tout ça designé par John Ive le, le chef designer ah, bien de, bien slâcher, de Apple là. donc on, on s'imagine qu'il y a un soin apporté au détail qui sont fait plaisir hein, quand même hein, je, euh, pense. je pense ouais, normal. De toute façon, ce qui hein. est dommage c'est que tout le personnel ne pourra pas y aller et non non parce que c'est déjà c'est déjà foule en fait à l'effectif incroyable au, hein. de chez apple euh, à Cupertino. donc ils bon. vont garder les anciens locaux aussi visiblement merci beaucoup noémie merci à vous merci noémie, noémie. De qui est chef de service de 01net tv euh, et qu'on aura beaucoup de plaisir à retrouver régulièrement et on va parler maintenant photos ouais. et euh, accessoires pour iphone restez avec nous sur ce studio l'a dit très justement ce n'est pas l'hyperloop hein, les locaux de d'apple c'est l'infinite loop l'hyperloop ouais, c'est ouais. le truc qui permet d'aller euh, à c'est le truc des Musk quand ça marchera mmh. donc voilà mais, mmh. euh, bon, si, on te pardonne on avait euh, compris voilà. infinite loop <laughs> la question Zéro Net Orange avant tout de suite de donner la parole à Adrien Branco euh, question d'actu aujourd'hui comment pensez-vous que ce fameux nouvel iPhone s'appellera euh, donc euh, votez sur 3.01.com, dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'instant, majoritairement, vous pensez qu'il s'appellera iPhone Edition, ensuite iPhone X, iPhone 8 et iPhone Pro. On verra bien. Réponse On verra parti. bien. La réponse sera mardi soir prochain dès 18h45 et ça sera à vivre. Donc, je vous l'ai dit, sur 01nettv.com <laughs> avec Jérôme et avec la rédaction. Adrien Branco est là. Salut Adrien. Bonsoir. Adrien, notre spécialiste Adrian. photo, entre autres, qui est venu avec son bel engin. Et croyez-moi, c'est un truc qui dépote. Elle était facile celle-là. Eh ben ouais, ouais. Ouais. Elle était tentante, elle était bien. C'est le D850, Adrien, que tu as là. Ouais, ce n'est pas vraiment moi qui ai décidé euh, d'apporter l'appareil photo, c'est vous, les lecteurs. Parce que quand j'ai publié euh, l'actu sur ce pendant mes vacances, je tiens à le préciser, je m'auto-jette des fleurs. Et il ne fallait pas le rater, donc j'ai écrit l'actualité, j'ai publié ça, et la commande en tour m'a dit, oh, ça marche du tonnerre. Et oui, ça marche du tonnerre, parce que euh, ça boit... La être commande en appareil... tour, c'est-à-dire la rédaction chef. Ouais. Hein. Ouais. <laughs> ça peut être un appareil à presque 4000 euros, les lecteurs se sont euh, rués dessus, et pour cause, il s'agit ni plus ni moins que du retour de Nikon dans la course à la technologie. Alors, petit briefing euh, rapide, il euh, y a deux catégories d'appareils, photo euh, à optique interchangeable, il y a les réflexes. Mmh. issus de décennies d'évolution technologique. Et il y a les hybrides. Je teste en majorité des hybrides parce que c'est maintenant le gros du marché. Et le marché des réflexes était un peu endormi. Hein. Canon et Nikon étaient bien 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 sur leur laurier. Et on se faisait, euh, on était un peu triste, mais il fallait souvent les, les sanctionner au niveau des notes pour le manque d'innovation. Et bien là, Nikon est de retour il avec le D850, qui est juste une machine de guerre. C'est-à-dire que par le passé, Canon et Nikon faisaient je mets un peu de rapidité dans ce boîtier, je mets de la super définition dans l'autre, je mets un super autofocus dans un autre. Si vous voulez tout ça à la fois tout acheter mais ils ont tout mis dedans d'accord Donc capteur. le capteur il fait 45 mégapixels ça, ça commence à, à faire beaucoup ah oui. euh, la rafale c'est 7 voire jusqu'à 9 images par seconde on est on est on est proche des appareils très pros. Euh, la plage dynamique est, est censée être énorme enfin merci enfin de la vidéo 4K parce qu'il faut savoir qu'il fallait uniquement des caméras professionnelles chez, chez Canon et quasiment rien chez Nikon ou de manière très très castrée. Là, vous avez de la 4K quasi cinéma qui utilise tout le capteur. Il y avait énormément de bah, de manque dans les réflexes de Nikon. Et là, Nikon fait un énorme comeback en disant, on avait des choses dans les bureaux, on vous les a posées dessus. Bon, alors, par contre, c'est un quel beau Quel beau bébé, oui, parce que là, il a, il a ébranlé la table en <laughs> le soulevant. Avec l'optique 24-70 de 8, là, il y en a pour 2 kg quasiment. Ah ouais, d'accord. Et en euros, ça nous fait combien 3008 le boîtier. C'est au poids Et 2000 ou euh, 2005 3008 le boîtier. Ouais. 2000, 2005 6000 euros. Quoi. Euh, ouais, a... Alors vous êtes sur un boîtier. Euh, les professionnels, très souvent, vous avez des professionnels de studio. Vous avez des professionnels, par exemple, de sport. Et vous avez des professionnels qui vont faire beaucoup de photos dehors. Voilà. Mm -hmm. euh, là, il peut tout faire. C'est-à-dire qu'il est entièrement tropicalisé. Il va encaisser la pluie, il va encaisser la poussière. Euh, il a des capacités énormes en termes de définition. C'est 45 mégapixels. Donc le mec qui travaille en studio, il va vraiment avoir quand même mm -hmm. de la définition derrière.